coucou YouTube, on continue Mario 64. On est à plus de la moitié. Non, attends. Non. Ah non, on est à moins de la moitié. C'est 60. C'est 60 la moitié. On est presque à la moitié. Vraiment, ça fait tellement plaisir. Voilà. On va y arriver. Promis, on va y arriver. Et du coup, Blacky qui est en train de faire un puzzle 12 000 pièces. Et tu enregistres pour le plaisir de me faire un timelapse plus tard. Oh, c'est super cool ça! Oh la caméra. Oh la caméra, j'avais déjà oublié. Oh mais c'est vachement cool ça. C'est vraiment une super idée quoi. Tu utilises quoi pour la captation? Tu vas me dire une caméra évidemment. Évidemment que tu vas me dire une caméra, mais du coup pour avoir la caméra au-dessus de toi, tu utilises quoi? Bah OBS, non mais je parlais le matos pour tenir la caméra en fait. Enfin, c'était pas clair. J'avoue, c'était pas clair. Mais ouais, pour avoir ta caméra au-dessus, est-ce que t'as un truc en particulier? Parce que moi, enfin, j'aimerais bien faire des streams de... J'en ai déjà parlé, d'électronique en fait. Faire un clavier par exemple, homemade et puis... Oh non, mais va-t'en. Oh là là, mais quel nul. Le matos, bah c'est du MacGyver et j'ai malheureusement pas assez de recul. Ah merde, dommage. Ok, putain, je devais prendre à boire, j'ai oublié de prendre à boire, je suis trop nul. Et ouais, parce que moi pour les streams électro... Allez, deux vies comme ça à la poubelle. Hein. Deux vies poubelle direct. Désolé YouTube, hein. Voilà, ça fait déjà 2 minutes et tu n'as rien vu encore. Et donc ouais, pour les streams d'électronique, bah les moments où faut souder, faut mettre les composants et tout. Mais arrête de regarder le chat et regarde le jeu. Ça marchera mieux. Et donc ouais, j'aurais besoin de setup comme ça. Mais faut que je demande à Issoa parce qu'il y a Issoa aussi. Issoa avec ses lives de jeux de plateau. Du coup, elle a la caméra au-dessus. Et elle attend son bras d'ailleurs. Et je sais pas ce qu'elle a pris comme bras. Faudrait que je lui demande également. Mais du coup, toi, pourquoi tu le fais pas en live, Blacky? Parce que t'as peut-être envie de le faire à la cool sans te prendre la tête, quoi. Ça t'intéresse aussi, du coup, ouais. Donc, oui, tu as peut-être envie de le faire à la cool sans te prendre la tête à devoir animer, quoi. Mais je pense que ouais, ça pourrait. Des petits lives à la cool comme ça. Ah zut! Zut, ça a pété, je voulais pas. C'est pas grave. Non! Ah là là, mais le long jump qui sort jamais. Hein. Non, voilà. Non, arrête. Arrête, Mario. Et non, mais... Bon. Alors, la vie. Non, mais j'y arrive pas. Voilà. Bon, on peut pas. C'est bon, je vais faire autre chose. Vas-y la caméra, surtout. Hop là. Y a un peu de ça, surtout que... Quand ça me prend... Aïe. En regardant les copains en stream, d'accord. Ah, tu fais du... Tu fais du puzzle à 2h du mat. Vraiment. No joke. Hop, faut que je reste là, voilà. Là c'est un saut normal, sinon après c'est chiant.
là. Ok. Impec. Vite. Vite, Morio. Ah, il y a une... toute mignonnette pièce rouge ici. Voilà. Ça m'est déjà arrivé, oui, quand j'arrivais pas à dormir l'autre jour. Ça m'a permis d'avoir un peu moins le nez sur l'écran. Effectivement. Mais non, mais barre-toi, toi. Je veux comment il me parle, moi. Parle-moi. Salut l'ami, je vais te préparer un joli canon. Merci, tu es bien agréable, copain bombinette. Canon prêt à tirer. Zut. Ok. J'ai pas vu, hein, si j'ai vu. Vu. Alors, faut que je fasse le tour. Non. Oh là là, mais Lévi. Lévi, Lévi. On va y aller en speedrun, comme d'hab. En fait, c'est marrant parce qu'à chaque fois, j'essaie de faire les pièces rouges, j'essaie de faire les trucs. Et puis finalement, je me fais avoir 2-3 fois, et puis j'y vais en speedrun, quoi. Et à côté. J'ai visé à côté. Je vais me préparer mon assiette. Et bah, prends ton temps. Hein. Prépare-toi ton petit manger tranquillou. Je crois que c'est ici. C'est là. Ok, donc c'est ici. Voilà. Olé. Faut faire gaffe à ne pas tomber dans le sable mouvant. Ah, j'aurais peut-être pu aller... il l'a déjà ouvert ou pas? Salut l'ami. Ouais, non, d'accord. Une fois que c'est ouvert. Ça, c'est cool. La phrase ne voulait rien dire, mais c'est pas grave. Vous avez compris. Aïe. Va-t'en le vent. Ah non 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 non. Non 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 non. Oh là non non non. Oh, ça va être ça tout le temps. Salut 6. Comment ça va? Bienvenue. Bah écoute, moi ça va. Et j'ai pas l'impression de t'avoir déjà vu sur le stream, donc bienvenue. Ok, première fois, ok. Et bah bienvenue ici. Comment t'as atterri ici? Du coup, comment t'as atterri ici?
On veut tout savoir. Attendez, parce que là il va revenir, voilà. Super Mario 64, d'accord, ok. T'as cherché le jeu et tu es tombé ici. Et bah écoute, si tu voulais voir du bon Mario 64, malheureusement, tu t'es trompé. j'ai tendance à rager et j'ai tendance à détester le jeu. C'était vraiment un revival pour me dire, ah tiens, c'est vrai que j'ai fait ce jeu là. Finalement, ça glisse, c'est chiant. T'inquiète, t'es speedrunner. Ah ouais, d'accord. Ah oui. Ah bah tu vas t'emmerder. Hein. Ah merde. Ah oui. Ah bah j'espère que t'aimes te faire chier. Ok, Et tu speedrun Mario 64. Regardez, c'était fait exprès. Bon, ça c'était pas fait exprès par contre. J'ai arnaqué le jeu. Tu sais te vendre. Ah non, mais alors. Alors, me vendre, oui. Mentir, non. On va quand même pas mentir à l'auditoire. Je vais quand même pas lui dire. Tu vas voir, je vais t'apprendre des. voilà. Je vais t'apprendre des strats à Mario 64. Celle-là, tu la connaissais pas. Voilà. Take damage to save time. On est en plein dedans. Évidemment. C'était fait exprès. C'était évidemment... Non. Si tu aimes ce contenu, n'hésite pas à follow. Carpetless, c'est un trick réussi par un seul humain dans le monde. D'accord, ok. J'imagine que du coup, c'est du TAS, sinon... c'est un truc qui a dû être appris en TAS, et puis... Mais non, mais... Mais pourquoi il va pas loin? Oh là là. Oh, j'en suis à 12 minutes. J'en suis à 12 minutes, je suis toujours sur la même étoile. Ah, en TAS, c'est plus simple. Oui, effectivement. En TAS, évidemment que c'est plus simple. Et c'est combien tient le record de... Le record, l'Any Percent sur je vais y arriver. Sur ce Mario. Il a combien, tu le sais? Pas en tasse, hein, un vrai humain, de la vraie vie véritable. Évidemment. Quelle honte. Promis avant la fin du stream ce soir, j'aurai récupéré cette étoile. 6.31, oh là là là. Oh là là. Oh les bourrins quoi. Devine combien d'étoiles, je pense qu'il y en a zéro. Je sais qu'il y a les tricks pour passer à travers les... À travers les portes et tout, donc je pense que c'est zéro. À mon avis. Je peux me tromper, mais zéro, bien joué. Ouais. Et du coup, le 120 étoiles, il est en combien, lui? Je connais un peu... je connais un peu le... Le monde du speedrun et j'ai déjà vu des speedruns de Mario en fait, donc 1h31, 1h38 et 25 secondes. Mais arrête. Je sais pas où j'en étais à 1h38 de jeu. J'en étais pas loin. Je pense que j'étais pas loin. Alors. Oui. Ben voilà. Et il suffit de parler de speedrun pour que je devienne bon. Hein. Tout simplement.
Allez, je suis bientôt à la moitié. Dans l'ancienne pyramide, ok, donc je pense voir où c'est. Allez, on va tenter la vie. La vie, la vie. On est toujours à côté de la vie. On n'arrivera jamais à la choper. Je vais me faire écraser. Non, bah non. Sauf qu'en speedrun, on récupère cette étoile en 8 secondes. La déception. Pas du tout. Ouais, mais en speedrun, ils se mettent sur le cul et puis ils vont à l'envers. Voilà quoi. C'est facile. Hein. Quand tu joues pas vraiment au jeu, c'est facile. Hein. Et du coup, Syst. Syst. Sorry. Tu speedrun quelle catégorie toi? On avait dit quoi sur le fait de chanter? Que le streamer avait tous les droits. Et 16 étoiles, ok. Mais non! J'ai pas appuyé, je vous promets. J'ai pas appuyé sur le bouton. J'ai pas appuyé sur le bouton pour sauter. 24 vies, hein. À choisir, je préfère l'entendre chanter que râler. Ah bah voilà. Et j'apprends le blindfold. Oh là là. Oh là, est-ce que tout le monde comprend ce que c'est les speedruns blindfold? Et si vous avez traduit mot à mot, et bah c'est exactement ce que vous pensez. Absolument pas. 6, je te laisse expliquer ce que c'est que le blindfold. Histoire de faire un peu halluciner les gens. Voilà. Voilà, il l'a dit dans le chat. En gros, il joue les yeux bandés. Voilà. Moi déjà, les yeux bien ouverts, c'est compliqué. Mais pour certains, c'est un peu trop easy peasy quand même. Qu'est-ce qu'il a, lui? C'est une pièce rouge? C'est le chapeau de Mario. C'est la casquette de Mario. Pourquoi il a la casquette de Mario, lui? Ah ben oui, j'ai plus ma casquette! Ah ben oui, mais il m'a piqué ma casquette, quoi. Je vais me chercher une corde, je reviens. Ah non, mais y en a, ils sont... Et t'en es où de l'apprentissage, du coup, 6? Non. Non. Ah non, mais... Dans le monde du speedrun, il y a des furieux. Hein. On va passer loin. Toi t'es là juste espérer finir le jeu et t'en as comme 6. Ils sont là. Non mais c'est trop easy, je vais faire avec les pieds et les yeux bandés et dans un aquarium. Exactement. Pas tous égaux hein. Tiens t'as quel âge 6? Désolé, du coup, je te pose plein de questions. Hésite pas à en poser aussi, hein, si t'as envie, histoire que ça soit un peu plus équitable. Mais c'est intéressant. T'as 14 ans. Oh là là, c'est ouf. C'est ouf. Le jeu est plus vieux que toi, quoi. le jeu existait, t'étais pas encore né, quoi. C'est cool.
Et comment t'as découvert le jeu? Il y a Blacky qui cherche une corde plus courte. C'était quoi ça? D'accord, c'était une vie. Je sais plus, d'accord, ok. Olé, 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 olé. Et tiens, du coup, la version. Est-ce que la version Switch, ça a changé quelque chose ou pas d'ailleurs sur le speedrun, sur les catégories de speedrun? Est-ce qu'il y a une catégorie justement sur la Switch ou est-ce que maintenant ça va devenir celle qu'il est préférable d'utiliser pour le speedrun ou. Parce que c'est de l'émulation quoi, donc je sais pas. Je sais pas où vous en êtes dans la commu à ce niveau-là en fait, pour savoir si. Quelle est la référence en fait pour les speedruns quoi. Désolé, hein, du coup je te harcèle de questions, mais voilà, on en profite pendant que t'es là. C'est intéressant d'avoir quelqu'un qui speedrun le jeu, quoi. Et c'est cool que... C'est cool que tu répondes, vraiment, ça fait plaisir. Arrête un moment là. Alors je sais pas vous, mais moi la pyramide me semblait vachement plus petite d'extérieur quand même. Si vous en pensez. Hein? J'ai crash, sorry, t'as dit quoi? Je te demandais en fait, c'était la version Switch, est-ce que ça changeait quelque chose en fait sur le speedrun? Est-ce que c'est la version qui est 20 ans utilisée pour le speedrun ou est-ce que pas du tout Est-ce qu'il y a souvent une... Ou est-ce que ça a rajouté une nouvelle catégorie Speedrun Mario Switch pourcent. Bah t'as le BLJ patché et les arbres un peu différents. Le BLJ explique aux gens qui ne comprennent pas ce que c'est que le BLJ. C'est le Big Long Jump, hein, il me semble. Je suis pas sûr. Hein. Oh non, ou le back. Non, le black. Attends, c'est le backward long jump. Ouais, c'est le backward long jump ou un truc dans le genre. Glitch des escaliers. Ouais, ça doit être ça. Backward long jump. Ah, je suis pas si mauvais. Let's go. Les 4 piliers de la foi. Oh. D'accord, ils l'ont c'est corrigé dans la version Switch.
Puis il me semblait que la version Switch c'était vraiment de l'émulation pure de la. Mais ils ont quand même fait des modifs. Non, c'est pas Switch. Ah. Oh, j'ai réussi. Non, 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 barre-toi, barre-toi, merci. Ouf, allez. Il y a une version 2.0 qui est sortie un peu plus tard au Japon, qui est version Shindou. Qui est du coup émulée sur Switch. Ah! Ah ok. Ils ont juste changé les caméras qui sont inversées. Ouais, les contrôles des caméras sont inversés. Ouais. Non mais... J'ai pas crié, hein. Promis, j'ai pas crié. Si vous avez entendu des cris, c'est chez vos voisins, c'est pas chez moi. Hein. Ah mais oui, ça y est. J'ai eu un doute si on pouvait, si c'était au milieu. Le mec est un peu débile, qui se met là en disant bah au fait, je vais peut-être me faire écraser. Effectivement. Voilà. C'est ça qu'il faut les faire. Non, zut. Ça finit pas? Je peux l'utiliser à l'infini là ou quoi? Ah non, il y a quand même un... Ah, c'est vachement long quand même. Hein. Oh, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Pourquoi tu fais pas Pilarless? Non mais non. Non non. Non non non, pitié. Pitié, me mets pas sur les strats. Ah, j'ai failli récupérer ma casquette. L'étoile des pièces rouges ici, c'est la plus dure selon presque tous les profs. Eh ben regarde. T'as vu comment moi je... T'as vu comment j'assure? Par contre, je sais pas où est la dernière pièce. Elle est là? Non. Non. Je sais pas où est la dernière pièce rouge. Oh, j'ai récupéré ma casquette. Trop bien. Je vais retourner là-bas quand même. Merde, elle est où la dernière pièce? T'as pris celle du début à gauche. Bonsoir. Alors attends, j'ai du mal avec les pseudos. Faut que je lise doucement. Léandro le lapin. Ah bah ouais.
Non, ça va. Ça va, tu as un pseudo qui me convient. Est-ce que j'ai pris celle du début à gauche? Ouais, 6, si tu sais 6 où est la dernière pièce là que j'ai manqué, je veux bien que tu me le dises, ouais. Mais il me semble que j'ai pris celle du début, il me semble. J'ai pas commencé en allant à gauche? Du coup, j'ai le doute. Du coup, j'ai le doute, mais... Ah, mais ça allait dans la flotte. Oui, non, c'est bon. C'est bon, je l'ai. C'est bon, je l'ai trouvé. Je l'ai même vu, là, de loin. C'est ok. Ouais, ça, c'est celle dans l'eau. Exactement. Merci, Léandro le Lapin, pour le follow. Merci beaucoup. Non. Faut donner un coup de poing. Ah. Je l'ai... Hop, regardez ça. Oh non, c'est si loin. Et là, je vais mourir comme un caca en y allant. Combien vous pariez que je meurs comme un caca en y allant? Oh, j'espère que ça va durer assez longtemps. C'était risqué, hein. Non? Je fais le... Est-ce que je fais... Ouais, je fais les 120 étoiles, ouais. J'ai envie de faire les 120 étoiles. Ça va me prendre du temps, par contre, hein. Espérez pas un speedrun, hein. Espérez clairement pas un speedrun. Tu vas récupérer la 121ème. Attendez. Attendez. Qu'est-ce que vous êtes en train de me dire là? Vous êtes en train de me dire qu'il y en a une 121ème. La 121ème, c'est une fausse. Est-ce que j'ai déjà vu ça moi? Vous me foutez le doute en fait. Impossible de la prendre, d'accord, ok. D'accord, mais il y en a une 121ème qui existe. Ah non mais super, je vais y arriver. À un moment je vais y arriver. Promis, je vais y arriver. Hein. C'est dans le premier monde de neige, que j'ai toujours pas terminé d'ailleurs. Enfin, c'est juste que tu prends une étoile pas prévue par le jeu. D'accord, ok. Mais elle est comptabilisée quand même. C'est dans les stats, ça fait une étoile de plus. Alors, les piliers. Non mais non, prends ta casquette, idiot. Idiot. Je vais faire spawner deux fois donc oui. Ah là c'est rigolo. Oh là ça va vite. Ça va trop vite. Pourquoi il va si vite? Je suis vieux moi. Je suis vieux, j'aime pas quand ça va si vite que ça. Oh, ça va aussi vite que ça. Ah. Vite, faut que tu retournes là-bas. Tu vas par là-bas. Oui, non, tu vas y arriver. Non, tu vas pas y arriver. Je veux dire oui, mais non, c'est compliqué. Oui, mais non, c'est compliqué. Bah, ce sera la réponse. Hein. Oui, mais non, c'est compliqué. Ça me va. Je fais des runs de 16 étoiles, oui. Et bah voilà. Et bah voilà. Deux speedrunners en train de regarder un très slow runner. Parfait.
C'est quoi ton PB? Le PB, c'est le personal best, c'est ton record. Justement, j'allais expliquer du coup ce que c'était qu'un PB, mais bah, c'est parfait. Je les ai eu, mes 4 piliers là. Et 45 secondes. Et 6 qui a 18-24. Oh là là. Aussi, j'ai que. Alors, Léandro, dommage. Ah, tu dis qu'elle t'a que 15 ans. 6, on a 14. Ah là là. Vous êtes trop mignon à faire vos concours de kiki. De celui qui aura le plus petit kiki. C'est rigolo. Mais enfin voilà, ça vous embête pas de regarder un vieux jouer super lentement? Allez. Tu peux le faire, j'ai foi en toi. Ah bah non, ça j'ai déjà eu. Ah mais non! Oh mais il me l'a fait récupérer, oh là là. Nul. Bon allez, c'est trop dur pour moi, je vais aller ailleurs. Ça j'en suis où? L'affreux bassin. Ah mais je sais même plus où sont les trucs. Ah ça c'est les laves fatales. En vrai je vais peut-être recommencer depuis le début là. Forteresse, hein. La baie des pirates, je peux aller à la baie des pirates maintenant. Ouais, donc du coup, Léandro qui dit que il s'en fiche du temps, qu'il préfère faire des glitches. C'est rigolo. Bah non, la lenteur, c'est pas de l'ennui. Tant que tu t'amuses, c'est cool. Exact. Bah, alors le problème... les gars, c'est que je m'amuse pas. C'est que je m'amuse pas, en fait. Je trouve le... Il y a beaucoup de défauts au jeu, et... Je m'amuse pas, ça m'énerve. Non, en vrai, je m'amuse quand même. Sinon, je suis pas assez taré pour faire des jeux que j'aime pas. Mais non, il y a plein de trucs dans le jeu qui sont tellement chiants. Mario qui glisse à mort là, c'est pourquoi tu joues? Bah parce que j'ai envie de me faire. Enfin, alors j'ai déjà joué. Alors je vais. Alors attends, tu as 14 ans. J'ai fait le jeu moi pour la première fois. En émulation, donc j'avais pas de Nintendo 64 à l'époque, mais c'était début des années 2000. J'ai fait le jeu en émulation, donc voilà. Vous étiez pas nés, les gars, vous étiez pas nés, et j'ai acheté la compile là sur Switch à la fin de l'année dernière, non, je sais plus, au début de l'année, ouais, je sais plus, la minute vieux combattant, c'est exactement ça, ouais. Et je l'ai fait au clavier, vu que j'avais pas de manette à l'époque. Moi, ce jeu-là, je l'ai fait au clavier. C'est une purge. C'est une purge au clavier, c'est horrible, horrible. Je le souhaite à personne, même à mon pire ennemi. Et voilà, et donc vu que j'ai acheté la compile avec... alors Sunshine, j'ai jamais fait... Je crois que j'ai fait tous les Mario. J'ai dû faire tous les Mario, sauf Lost Levels, qui est le Mario 2 japonais. Ouais, clavier, ouais. Ah ouais, j'ai joué en émulation en fait. Joué en émulation, donc j'ai joué au clavier. En émulation sur un ordinateur. Ouais, donc il y a Mario 2, enfin Lost Levels que j'ai pas fait, et il y a Sunshine que j'ai jamais fait. Sinon, je pense que j'ai fait tous les Mario en fait. Donc là, voilà, j'ai envie de faire la compile, j'ai envie de faire Sunshine. Je trouvais ça normal de recommencer par 64 et de le faire. Aux deux derniers niveaux, tu comprendras la difficulté du jeu. Bah, c'est toujours comme ça en fait dans les Mario. Hein. Il y a toujours des niveaux. Les derniers niveaux commencent à être vraiment compliqués. Et Bibi qui me dit OK boomer. C'est un peu ironique. Père Castor, raconte-nous une histoire.
Tu me crois ce que je te dis que le premier jeu que j'ai joué, c'est le Super Mario Bros. Original. Bah ça, je trouvais pas ça déconnant à mon âge, parce que c'est l'un des tout premiers jeux auxquels j'ai joué. Vu ton âge, c'est plus compliqué. mais ouais. Et du coup, toi, Leandro, comment tu as découvert le jeu? Parce que j'ai demandé à 6 tout à l'heure, mais il se rappelle pas en fait de comment il a découvert le jeu. Parce que c'est voilà, c'est des jeux qui sont sortis bien avant votre naissance, quoi. Donc pourquoi vous jouez pas à Fortnite comme tout le monde? Hein? Pourquoi vous jouez à ces jeux de merde? Voilà. J'ai un appel à toutes. Bah, bisous, Bibi. Attends, t'es en train de me dire que Mario au clavier, c'est pire que les 6 premiers Tomb Raider? Ouais. Parce que Mario au clavier, enfin, quand on chope Bowser, faut le faire tourner sur, faut le faire tourner autour de nous, là, et le balancer. Je te mets au défi de faire des cercles parfaits comme ça en switchant les flèches. Tu vois, tu faisais le tour avec les flèches, donc il fallait le faire haut, gauche, bas, droite, haut, gauche, bas, droite, haut, gauche, bas, droite, et de le faire comme ça avec les doigts. Et bah, c'est galère. Vraiment. Moi, je joue avec manette Xbox sur émulation. Non, mais alors. Là, vous me parlez d'un truc. Désolé, je joue pas au jeu pendant ce temps-là. Hein. Mais moi, je vous parle des début des années 2000. Donc, la Xbox n'existait pas. La manette Xbox n'existait pas, vu que la Xbox n'existait pas. Donc voilà, et je vous parle de la première Xbox, hein. Je vous parle pas de Xbox One ou la Series X, hein. Je vous parle de la toute première Xbox, et pas la 360 non plus, la toute première, hein. Elle n'existait pas. Donc on avait juste le clavier ou les joysticks à la con, hein. Il y avait des manettes, mais c'était un peu de la merde, quoi. Donc voilà. Tous les Mario, t'es sûr? T'as fait Super Ultra Kaizo. Non mais. Les vrais Mario sortis par Nintendo, je parle. Je parle les vrais Mario officiels. Les vrais Mario officiels. Fortnite, c'est nul. Bah, j'ai essayé de jouer une fois, j'ai jamais compris comment ça marchait. Moi, j'ai découvert le jeu avec un ancien youtubeur nommé Arc1111. T'as pas de N64 dans les McDo. En borne, tu veux dire? Enfin, pouvoir jouer, parce que non, alors déjà, je suis très rarement allé au McDo. Hein. Je suis pas un fan de McDo, en fait, donc j'ai dû y aller 4 fois dans ma vie. J'ai connu SM64 avec la version DS. Mais après, j'ai connu la version originale, je la préfère. Ah, ok. Ah, fallait préciser, officiel. Bah oui, non, mais les vrais jeux Mario faits par Nintendo, quoi. Je te précise, bah, je te le précise maintenant. Voilà. Voilà. Merde, c'était quoi le nom de l'étoile? Ah, c'est les pièces rouges. C'est les pièces rouges. Et bah c'est parti pour les pièces rouges. Est-ce que j'ai eu les 100 pièces? Non, j'ai pas eu les 100 pièces. D'ailleurs, je speedrun SMB3 et World. Eh ben, vous êtes prolifiques les gars. Hein. Alors est-ce que vous speedrunnez depuis l'année dernière parce que vous faites chier ou pas? Ou est-ce que vous aviez commencé avant? Non! Mais je m'en fous de gagner en fait. Je m'en fous de gagner. Je veux juste des pièces. Ça file la gerbe. Attendez, je vais juste ouvrir mon chat parce que mon chat est en train de défoncer la porte. Et je vais me chercher à boire, je reviens.
Je connais pas SMB3. Ah, Super Mario World. Tu fais 11 exits. Moi, j'ai commencé il y a 2-3 ans. Ok. J'ai commencé à apprendre en 2019. Mais au clavier, après, je suis passé à la manette. Ah, Séverine qui récupère un R comme Rabia. Qui est chiante parce qu'elle gratte à la porte. R comme Rabia. Cet air de blasé sur la... sur la tête de Mario, c'est clair. Bon, en même temps, Mario m'a vu jouer, hein, donc c'est normal qu'il soit blasé comme ça, en fait, c'est par rapport à mon niveau de jeu. Non, non, mais j'ai pas envie de te parler. Ah, je t'ai battu. Vas-y, c'est ça, barre-toi. J'ai pas envie de te parler. Ça c'est pas ouvert encore. Ouais, non, non, mais t'as perdu ton gosse, mais on s'en fout. Alors attention, hein. Ici faut y aller doucement. Je suis déjà mort ici, hein. Hop. Pouette, 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 pouette. Non, c'est pas ça. Ok. Ah, Sis qui utilise la meilleure emote. Très très bon choix d'emote. Hein. Oh, mais non, faut là, il y a la plateforme. Oh, non, mais je vais crever. Fais dive devant un bébé pingouin, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu vas me faire faire, toi? Ok, bon. Attendez, il va falloir que je revienne dessus, c'est ça que vous me dites, là? Alors que je ressorte dedans? J'y crois pas. Oh, j'y crois pas, hein. Attends, faut que je dive devant un bébé pingouin. Hop. Tac. Oh. Et comment... Hein? Mais... Marche pas. Bon, ça marche pas. Voilà. Voilà. Alors. Side flip, t'as pas besoin de vitesse. Ouais, non, mais attends là. Oh. Allô? T'as vu à qui t'as vu à qui tu t'exprimes là? Alors, est-ce que je vais aller assez loin là? Ah! Voilà, vous êtes heureux. J'ai fail. Comme un gros caca. Cette musique. Qu'est-ce qu'il y a? Elle est pas bien, elle. Attendez 2 secondes là, parce que. Attendez, je reviens. Alors, voilà ce que j'ai récupéré sur Rabia. Voilà. Elle était dehors, donc j'ai récupéré des feuilles dans ses poils. C'est merveilleux. Ah, donc cette petite débile. Je dois y aller, il y a une race 70 étoiles entre deux runners.
Et bah des bisous 6. Des bisous et merci beaucoup d'être passé. Vraiment, c'était voilà, c'est cool d'avoir pu discuter avec toi et tout, donc passe une bonne soirée, et puis bah, j'espère que tu repasseras sur la chaîne de temps en temps. Voilà, merci beaucoup. Nice, moi je reste. Rabia aime la nature, on dirait, bah elle aime aller dehors, quoi, mais elle aime bien récupérer des conneries dans ses poils. Elle a même pas vu mon follow. Ah bah non? Ah bah merci pour le follow du coup. Merci. Merci beaucoup, Sis. Désolé, désolé, j'ai pas fait gaffe. Merci beaucoup. Et ouais, non, non, Rabia aime bien et de l'or, mais elle aime bien récupérer des trucs dans les poils. Et l'hiver, ça va, c'est que des feuilles mortes. L'été, souvent, c'est des limaces. Elle se retrouve avec des limaces. Pas de problème, à la prochaine. Merci beaucoup et bonne soirée. Et donc, oui, elle récupère des limaces dans ses poils. Et elle a les poils longs. Et c'est chiant. Non! Si! Oui! Peut-être! Non! Oh mais quel débile, j'avais oublié que c'était terminé comme ça. La photo quand il avait le dos tourné. Ah bah voilà. J'aime beaucoup FNAF aussi. FNAF! FNAF! C'est quoi FNAF? Désolé, hein. Peut-être que je connais du coup de nom, mais l'acronyme là me dit rien. Il me pousse! Quel relou. Ok. Une saga d'horreur avec une bonne histoire. Ça a été déplacé à 23h. Ok. Et bah re 6. Re bonjour. Quel plaisir de te revoir sur le stream. Si tôt. Qu'est-ce qui s'est passé du coup? Ils m'ont vu jouer, c'est ça? Ils sont venus et... Bienvenue dans le stream. Allez. Et du coup, vous streamez tous les deux? Ou est-ce que vous faites juste... du speedrun de votre côté? J'ai pas la co. Ah, dommage. Ils ont été, c'est ça, émerveillés par moi, par mon niveau. Ils se sont dit c'est bon, ça sert à rien qu'on joue. Il y a Tony Hop qui est là et beaucoup plus doué que nous quoi. Non non mais je peux comprendre. Je peux comprendre qu'ils aient eu peur. Juste c'est ça, ils aient eu peur. Peur de la concurrence. Tu streams du Minecraft, toi, d'accord. Et si tu enregistres en local. Allez, go. Tu cours. Je me raccroche à la vie. Oh. Y a mes pépés sur YouTube. Et aussi des étoiles que j'ai faites blindfolded. Oh, c'est rigolo. Cependant, je fais un peu de tout en général. Intéressant. Bon, est-ce que vous connaissez l'angle C'est un téléport en bas. À la fin du pont.
Ah ouais? Ça m'emmène où? Oh mais tellement bien. Oh mais merci. Oh mais merci. Oh là là, oh, c'est plus le même jeu. Hein. Mais qu'est-ce que c'est chiant, qu'est-ce que c'est chiant. Ah, une pièce rouge là. Je l'ai vu. Merci pour la super chanson qui va rester toute la soirée. Hein? Hein? Vous avez compris quelque chose ou pas là? Parce que j'ai que 5 pièces rouges et j'ai une étoile qui a popé. C'est quoi comme étoile ça? Ah c'est les 100 pièces! Oh d'accord, ok. Je pensais pas que j'avais déjà les 100 pièces. D'accord, bah voilà. Ah je pensais clairement pas que j'aurais pu déjà avoir les 100 pièces quoi. Et tu connais les deux frères? Les deux frères plombiers. Qu'est-ce qu'ils me racontent? Et repas zéro, d'accord, ok, d'accord, c'est bon. C'est bon. Là-bas, j'ai une pièce là-bas. Là-bas. Non! Ah, je regardais le chat. Vite, par là. Oui, Mario, vas-y. Oh non. Merde. Ah, la panique. Est-ce que vous avez senti la panique ou pas dans ma voix? Avez-vous senti la panique? C'est bizarre chez les plombiers. Quand ils réparent les fuites, ils rentrent dans les tuyaux. Ah non mais vous avez vraiment les refs hein. Oh merde. Mais suicide. Ah ouais non mais direct je suis allé au fond. Je suis allé direct au fond quoi. Ah, y'a pas une pièce rouge là? J'ai pas vu une pièce rouge? Attendez. Ah non, c'est pas une pièce rouge, c'est un ennemi. Y'a l'autre en bas aussi là qui veut récupérer son corps. C'est là ou c'est pas là? Je sais plus comment on fait la boule de neige là. Et qui fait? Bah il saute. Hein. On me dit de sauter, je saute. Hein. Aïe. Et là, regardez, il y a un truc bleu derrière. Je l'ai vu. C'est la dernière étoile du monde, d'accord. Okay. Alors, deux. Ah là on peut pas passer, c'est chiant. Aïe. Ah, attendez. Si. Attention, crevasse juste en dessous.
mange les réussites. Ouais, c'était tout. On va essayer de récupérer. Tu dois avoir fait toutes les étoiles jusqu'à la 5. Avant-dernière, la dernière, c'est WKWW. Évidemment. Je me disais bien. Hein. Je me disais bien que la dernière, c'était WKWW. Alors est-ce que ça vient ou pas ça? Oh là, oh là là, les salauds. Ah ça vient pas ça par contre, merde. Comment j'y vais moi là en bas? Oh, je vais encore crever. Allez avance. Je peux y aller par là. Ok, j'ai récupéré ma vie, c'est bien. En fait, WKWW, tu dois faire des sauts dans les murs. Excède avec le canon. Wall kick will work. Oh. Oh. Ok. Ah. Tu peux glisser dans la rampe sous le pont des bonhommes de neige pour aller en bas. J'ai rien pigé. La huitième étoile, elle est où? Est-ce que vous savez où est la huitième étoile? C'est en face. Huitième. Il y en a six. Sous le pingouin dans la flaque d'eau. Mais non mais Blacky, pourquoi tu me racontes ça toi? Mais non, bah, il peut pas bouger lui. Là oui, il y en a huit. Et les pièces rouges. Ah non, pas, non j'ai dit les étoiles. J'ai dit les étoiles ou pas? Si j'ai dit les étoiles, désolé, moi je parlais de la des pièces rouges. Je désolé. Les pièces, la huitième pièce, est-ce que vous savez où elle est? J'en sais rien, j'ai vu une pièce dans une flaque. Ah bon? Derrière la montagne. Dans le coin là, dans le coin, je l'ai prise. J'ai peut-être halluciné. Oh non, mais Blacky, j'ai crash. Faut que j'aille en face. Oh là là, mais je vais mourir encore. Je vais encore mourir à chaque fois, je vise trop bas. Et là, je vais viser trop haut. D'ailleurs, j'étais pas loin. Hein. Oh, vous avez vu. C'était risqué ça. Qu'est-ce qu'il va me dire lui? Parce qu'elle a dit cette porte en courant, petit rappel pour faire un saut en longueur. Ouais, d'accord, ok. Ah,
Qu'est-ce qu'il fallait faire? Ah, faut que je fasse un triple jump là, non? Aïe. Ah mais je me fais mal en plus. Merde. Remets la caméra aux fraises là. Merde, ça marche plus. Ah d'accord, ciel. Bon bah tant pis pour les 8 pièces rouges. Hein. Hop. Ok. Eh, 60, ça y est, on est à la moitié du jeu. GG à moi. Merci, merci. Non, non, vrai, non, 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 non. Abusez pas trop quand même. Ça me... T'as 5 frames pour wall kick. Ah ouais? J'ai réussi à faire ça, moi. Moi, j'ai réussi à faire ça. Ah, il marche dans les deux sens. Ouais, je vais faire les 120, ouais. Je vais tenter de faire les 120, effectivement. Je ne vous promets pas... je ne vous promets pas de survivre jusque-là. Mais il n'y a pas de raison. J'ai réussi il y a 20 ans avec un clavier. si j'ai réussi il y a 20 ans avec un clavier, je devrais y arriver là. Hein. Ah, de devoir galérer à RR. C'est quoi RR? Rainbow Road, je me rappelle pas de celle-là. T'es vieux. merci Yoran. Écoute, pareil pour toi. Bon, elle est dans le coin ou pas? Non, Road, c'est... Attends. Rainbow Ride, ah d'accord. Ok d'accord, je l'ai. Coucou Certificateur, oh Certificateur dis donc. Comment vas-tu? Ça fait bien longtemps que je ne t'ai vu sur ce stream. Limite tu nous manquais. RR c'est le monde numéro 16, ok. Oh, il y a des trucs, j'ai pas de souvenirs. Hein. Ça fait tellement longtemps. Mais il y a que 15 niveaux. Oh, mettez-vous d'accord. Vous mettez d'accord, et puis après on en repart. 6. Là-bas, c'est le 7. Vas-y, vas-y Mario, arrête. Ok. Et donc il manque la 8. Dis-moi où aller. S'il vous plaît. J'entendais parler de trucs il y a 20 ans, alors je suis venu. Ah là là. Et c'est clair, il y a 20 ans, tu n'avais que 35 ans il y a 20 ans. Non, ça va, un peu occupé ces derniers temps, ouais j'imagine. Est-ce que vous savez du coup la huitième pièce? Il y a Léandro, tu me disais c'est en haut. Va au panneau de l'étoile 7.
Et va en première personne. La pièce 7. Oui, oui, pas l'étoile 7. À chaque fois, je me gourre, désolé, entre les pièces et les étoiles. C'est laquelle, la 7? Léandro, c'est laquelle? C'est laquelle, la 7ème? Moi, je sais pas dans quel ordre elles sont. Ah, désolé. C'est la dernière rouge que tu as pris. Ah. Ah merde. Je peux pas remonter en plus, je crois. Enfin, si, je peux remonter par le pont. Là. Ça fait toujours plaisir d'entendre des compliments d'un petit genou comme toi. Ah, merci, merci. Et mais étonnant. Sans déconner, par contre, certificateur, tu ne fais que 40. Vraiment. Sans rire. Voilà, tu ne fais pas tes 65 ans. Tu fais 40. Oh là là, sans me faire toucher en plus. Hein. Et quand tu seras en première personne, tu regardes en direction de la falaise et ensuite en haut à droite. Alors, je vais là. Je vais là ensuite. Falaise. Hein ? Ensuite en haut à droite. C'est bien celle-là que j'ai pris en dernier. Je suis bourré ou quoi? Dans cette partie en haut à droite. Ah attends, parce que là j'ai pas là. Faut que je monte. Donc là faut que je fasse un long jump là. Là vous êtes en train de me dire qu'il faut que je refasse un long jump et que je le réussisse. Ah! Je peux pas y aller là! Je peux pas y aller là! Et comment je fais pour passer? Là je peux pas passer là! Hein? Comment je peux passer? Ah! Et comment je fais pour passer ici? Saut kick. Non mais là vous me dites des trucs de... Là vous me faites les strats de speedrunner les gars. En vrai on fait comment? Saut kick. Allez je vais essayer un saut kick. Faut que j'ai de la vitesse ou pas? Ok donc j'ai compris. Ouais, saut kick je peux le faire. Non! Merde! Oh le con! Désolé. Tu peux y accéder depuis tout en haut. Ah. Alors. Par où? T'es en dessous? Par là? Non, là ça a l'air d'être, un piège à con. Aïe. Je crois que je suis tombé et je vois plus rien. Ah, vous allez me détester. Hein. Non mais arrête Mario. Ah mais non, sinon il y a là, non? Je peux y arriver. Bah voilà, easy, regardez. On se fait chier. Non mais Mario! Oh là là.
famille. Karma, non mais pas du tout, je suis très gentil. Pourquoi ça serait karma? Bibi a fait des trucs super en verre brodé. Bah je sais, elle m'a montré. Ah non, d'accord, tu parles à Séverine. Accès de tout en haut, pas de vitesse, descend direct, tu descends du pont. Par le pont cassé où il y a le TP. Les canons, t'aimes vraiment pas. Non. Avec la perspective dans ce jeu, j'aime vraiment pas. Alors attendez, vous me dites le pont cassé en haut là? J'y vais direct. Oh mais ouais, mais c'est tellement easy peasy quoi. Regardez, j'arrive même pas à choper les vies quoi. J'arrive même pas à choper les vies dans le jeu. C'est une cata. Non, oh là là Mario, tu fais chier. Alors, sache que j'ai une très bonne vue. Donc cette vanne sur le fait que je sois presbyte ne marche pas. Enfin, après 5 minutes. Oui, bon, ça va, j'ai mis du temps à comprendre. Oh là là. Vous êtes jeune, vous comprenez tout tout de suite. Ayez pitié un peu des vieux quand même. C'est clair que là c'était un bon travail d'équipe. Hein. Vous êtes les cerveaux et moi je suis les mains qui tremblent. C'est quoi presbyte? Bah c'est les personnes qui souffrent de presbytie. Voilà. Faut respecter. Ah bah. Tu vois là, faut respecter les anciens. Exactement. Là tu parles bien là. Là tu parles bien. Là tu me plais quand tu parles comme ça. Ah les deux petits cons là. Oui, oui, vas-y. Oui, 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 c'est bon. J'ai mes frames d'un vue, c'est ok. Allez. Ah, c'est quoi la presbytie? La presbytie, c'est les gens qui voient bien... qui voient bien de loin, mais pas de près. Non. Non, ça, c'est la myopie. Ah, merde. Quelqu'un dans le chat pour me dire c'est quoi la... alors si seulement on avait un médecin. Si seulement on avait un médecin dans le chat. Qui pourrait nous dire la différence entre presbytie et myopie. Je sais plus. Myopie c'est celle qui... mal de loin c'est myopie. Ok. Donc la presbytie c'est ceux qui voient mal de près. Avoue que même si je viens d'arriver, tu rigoles avec moi. Non, non, mais vous... franchement, tous les deux, vous êtes très cool. Hein. Ça me fait plaisir de... Ça me fait vraiment plaisir là, que vous soyez tombés sur mon stream ce soir. Parce que, bah, ouais, non, non, vous avez l'air très cool. Donc oui, oui. Sinon, j'hésite pas à ban hein, quand il y a des gens qui sont très cons qui arrivent, qui font chier, qui prennent des bans. Hein. Donc voilà, si c'est pas le cas pour vous. Par contre, là, j'en ai loupé un. J'en ai loupé une pièce. J'ai loupé une pièce, je sais pas laquelle. J'ai le même PV, je sais pas quel est lequel et lequel, ouais. Bah ouais, c'est le problème, c'est parce que je vois bien, alors je vais jamais chez l'ophtalmo, quoi. Vous faites quoi alors, le troisième? Vous faites quoi de l'hypermétrope? Oh là là, mais ouais. Tu as l'air bien sympa toi aussi. Eh ben écoute, ça me fait très plaisir. J'essaie de faire des streams rigolos et j'essaie de faire des streams où je discute avec les gens. Donc voilà, si ça vous plaît, tant mieux. C'est vraiment le but. Merci beaucoup, ça me fait plaisir. Comme il te coach, les jeunes, ils sont sympas. Oh là là, mais regarde là, elle. Ah mais je sais, ça y est, je sais laquelle pièce j'ai oubliée. C'est celle qui est ici. Regardez ça. Hop là. Et évidemment, ils sont allés me foutre l'étoile dans le trou du cul du monde là. Oh.
Hop. Et l'astigmatisme, oh là là, mais la presbytie est liée à certains vieillissements de l'œil qui fait que les jeunes ont du mal, que les jeunes ont du mal à voir de près et ont besoin d'éloigner ce qu'ils lisent de leurs yeux. Et l'estravisme, mais qu'est-ce, mais hein? ça y est, on est parti en stream consultation ophtalmo. J'ai réussi. Est-ce qu'il m'en reste? Oui. Ah bah oui, il y a le bonhomme de neige rigolo. Le bonhomme de neige sans tête, voilà. Et les problèmes de pigments qui peuvent donner les yeux rouges aux mauves. Ah non, ça tu confonds avec la drogue. ça tu confonds avec les pétards qui donnent les yeux rouges. J'ai perdu la tête, on dirait. Connais-tu quelqu'un à la recherche d'un corps? Je suis peut-être petit. Mais je grandis vite. Il y a des jeunes sur le chat, donc je ne dirai rien. Mais j'en pense pas moins. Plus que 59. Oh mais quel gros troll, lui. Comment j'ai dépassé la boule de neige ? Quoi? Quoi? Mais la boule de neige, elle est tombée. Oh non, mon corps a fondu. Ah, peut-être te suis si t'es derrière. Merde. Mais pourquoi c'est barré? Oh là là, je recommence. Elle peut pas dessus si t'es derrière. Comment? Hein? Puis j'ai rien. Allez. Hop là, on y retourne. Vivement la fin de cette musique par contre. Elle est insupportable. Il faut que je la dépasse? Ah non d'accord, faut que je la dépasse en fait. Faut que je la dépasse. Ah merde. Ah mais elle me tabasse en plus. Bon regardez, moi je suis un fou. Hein. Et là quand elle arrive, moi je l'arrête. Hein. T'as déjà raté. Eh ben... Faut spammer... Faut spammer... Non, mais non, non, non. T'as fait le niveau du pot de fleurs. Je pigeurais... Putain... bande de trolls. En fait, je vous aime plus. Finalement. Finalement, j'ai bien réfléchi, je vous aime plus. Qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai pas pigé ce qu'il fallait faire. Le pot de fleurs, c'est la flaque d'égout. Bah tu te mets devant la tête, bah c'est ce que je viens de faire. C'est ce que je viens de faire et puis ça n'a point marché. Je vais te cancel si tu m'aimes pas. Pas très sympa. Aïe. Ah mais c'est la strat speedrun, regardez. Et du coup, hop là. Non, t'étais à côté, pas devant. Là, je suis devant, là. Regardez. Là, je suis bien devant, là. Là, je suis devant. Là, je suis devant. Coucou, Season. Et salut, tout le monde. Salut, salut Season. Bonsoir. Ouais, t'es devant, là. Ah, là, j'étais devant. Là, j'étais devant. Merci Season pour le raid, merci beaucoup et bienvenue à tous.
J'allais dire, je vais pas me présenter parce que c'est toujours les mêmes. Hein. C'est Chou, Mikage. Coucou les gars, comment allez-vous? Voilà, je suis en train de jouer à Mario 64. Ce crâne luisant. Eh, tu as vu ça? Ah, y a un petit peu de cheveux là. Hein. Y a un petit peu de cheveux quand même. Non, mais par rapport à la boule de neige. Eh ben, moi ça va. J'ai passé une sale journée. J'ai passé une journée crevante. Et du coup, voilà, du Mario. J'ai fait du Isaac et du Mario pour bien me finir, quoi. Et on est 24 maintenant. Non, on n'est pas. Hein? Hein? On est tout ça sur le stream? Non. Non, on n'est pas autant que ça quand même. N'hésitez pas à tous parler. Tous les gens qui sont arrivés sur le stream, parlez dans le chat. Parce qu'il y a des succès sur Twitch. Et j'aimerais bien, j'aimerais bien débloquer des badges VIP supplémentaires. Donc même si vous n'êtes pas l'habitué, dites juste bonjour en fait dans le chat, parlez, ça sera parfait. Voilà, merci pour juste les bonjours, c'est parfait, ça veut des badges VIP, voilà, à m'agriller, Season qui m'a grillé. Donc n'hésitez pas, merci beaucoup, ça fait plaisir. merci. Oracle, la première fois sur Mario 64, alors non, non, j'ai fait Mario 64 dans ma jeunesse, c'est quand j'étais jeune, dans ma jeunesse, en émulation, sur PC, au clavier, et du coup là je le fais sur Switch, j'ai acheté la compile avec comment ça s'appelle, Sunshine et puis Galaxy, et donc là je me le refais, mais donc ça faisait 20 ans que je l'avais pas fait quoi, voilà. Il a fait froid aujourd'hui. Je ne sais pas. Faut faire des kappas. Ah non, non. Alors, par contre, la tradition des kappas sur ma chaîne, je vais vite vous la faire passer, hein, je pense. Moi aussi, je veux le badge kappa avec des petites oreilles de chat. Qu'est-ce que c'est ? Quoi ? On peut raconter plein de conneries. Sauf, par contre, oui, vous avez le droit. Hein. C'était il y a hyper longtemps, du coup. Quelle indignité. Vraiment, vraiment chou. Tu oses me parler comme ça. Ah, tu vois, j'allais dire Sev, mais non. Tu vois Season? Alors déjà. Quelle indignité. Tu vois, moi je peux le balancer. Quelle indignité. Quand je veux, et j'ai même la zizimote quoi. Voilà. Il va plus suivre du coup. Si j'arrive à suivre. Je l'ai tellement fait celui-là. Ouais, non, mais je le déteste. Hein. Honnêtement, je le déteste. Ça glisse, c'est merdique. Enfin, vraiment, c'est vraiment pas mon Mario préféré. Hein. J'ai parlé, je vais faire ma vaisselle maintenant et ensuite dodo. Et bah, merci Cookie. Merci beaucoup pour le meilleur jeu. Ah non, mais moi, je le déteste. Mais pourquoi vous dites ça? Oh, j'ai dû le faire 100 fois. La tradition, c'est Sarko. Voilà, Chou qui connaît au moins. Chou, il connaît les bails. Moi, j'ai réussi à débloquer lui. Parlez-moi. Il y a 100 personnes en train de discuter en même temps pour débloquer des badges VIP. Oh. Ah, ouais, mais toi, t'as des raids de... Non, non, je l'avais avant Season. c'est l'un des premiers trucs que j'ai mis sur le... Je l'ai depuis fin décembre, en fait, tu vois. Et ouais, toi, t'as des raids de ouf. Hein. T'as des raids de ouf. Tu t'es encore fait raid par Magla? Non. T'as encore eu un raid de Magla. Ah, mais toi, tu connais les restas, toi. Toi, tu connais les restas, quoi. Non, pas encore. Ah. Tu connais les restas de Twitch, toi, donc forcément... voilà, quoi. Oh! Vous avez vu, j'ai réussi à pas tomber dans la neige. Donc, arrêtez. Faut pas déconner, là. Ah bah les canards, si t'aimes bien les canards, oui, ici, c'est pas ce qui manque. Hein. Mais non, mais comment? Dame, deux fois la semaine dernière. Ah ouais, d'accord. Ah d'accord. Un peu chaud comme étoile. Et je piche pas comment faut faire. Clem, il s'est fait raid par Farod et Cola. Clément Lebro, alors je connais pas Clément Lebro, je connais Cola.
Parce que je suis la chaîne de son frère, mais la chaîne YouTube de son frère, mais je connais pas les autres. Désolé. Voilà. Il cherche sa tête, voyons. Ah, attends, j'ai Oracle, merci. Je pense avoir compris. Je pense avoir compris. Aïe. Merde, je vais crever en plus. Il faut que je le dégage lui. Allez, vas-y. Quoi? Non? Attends vite. Tu dois être sur la plateforme de la tête et tout le temps être devant la boule. Oh là. Ah, tu vas être servi, ouais, allez, en termes de canard, ouais, non, c'est un peu le thème de la chaîne, hein, y en a partout, donc voilà quoi. Non mais... Aïe, il est encore bugué, mais j'ai pas bugué, bouge, là faut pas que je bouge. Ça a pas marché! Ça a pas marché, putain! Bordel! Tu bougeais tellement plus que j'ai été frais. Non, mais je suis. Je suis mime. En fait, je vous l'ai pas dit, mais quand je ne stream pas. Mais tu dois pas tricher, c'est pour ça. Ah, ok. Ok, c'est parce que je triche. D'accord. Ok, d'accord. Et donc en fait oui, non, vous pensiez que j'étais admin 6 dans la vie pro, mais pas du tout, je suis mime, donc c'est pour ça je... En fait non, là je... voilà, j'ai pas bugué, j'ai pas fait pause, c'est fou hein, c'est fou. Je crois que des fois son cerveau freeze. Bah je... Admin 6. Bah, admin 6, SYS. Je suis administrateur système. J'héberge des sites internet. Bah, je crois que la boule a gagné. Je crois que la boule... Non, j'ai triché. J'ai triché, ça a pas marché. Aïe, j'ai glissé, c'est pour ça. Statut, c'est bien comme boulot. Ouais, non, mais c'est un boulot comme un autre, hein. Ils sont mignons. C'est toi que j'ai croisé la dernière fois à côté du carrousel de la ville de Caen. Ah, ça y est, elle connaît les bons bails, elle. Season qui connaît les bons bails à Caen, maintenant, ça y est. Friser, c'est compliqué. Quelle indignité. Ah, j'avais triché pas trop, ouais, donc c'était ok. D'accord. Bon, et Season, qu'est-ce que t'en penses de Caen, du coup? Maintenant que t'as un peu plus l'habitude de Caen, est-ce que le climat te plaît toujours autant? Il y a eu un thé comme Tonyob. Ah bah oui, j'ai oublié un thé comme Tonyob. Bah thé comme Tonyob alors, tout de suite. Thé comme Tonyob. Voilà, thé comme Tonyob, évidemment. C'est de la merde. Ah merde. Oh t'es dur Season. Franchement t'es dur. T'es dur avec cette belle ville qui t'a accepté là comme ça. Qui t'a ouvert les bras. Qui t'a fait un gros câlin. Franchement c'est pas cool. Moi je dis Season pas cool. Hein? Non mais là, c'est une blague. C'est une blague. T'as volé le cul à Farod. Mais de quoi tu parles? Colle-toi à la plateforme. Oh là là. Bah, on recommence encore une fois. Hein.
Tu dois être derrière la tête. Ah non, mais attendez, je dois être derrière ou devant? Faudrait savoir. Faudrait savoir, je dois être derrière ou devant? Tout le monde... Oh, ils sont en train de me troll les deux. Les deux, ils sont en train de me troll. Elle me pisse dessus à chaque fois que je sors ta ville. Il pleut tout le temps. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Là, tu mens. Ça change rien devant et derrière. Alors, vous êtes jeune, donc je dirais rien, mais j'en pense pas moins. Et je me rappelle une fois, Season, en 2017, il y a eu du soleil. Donc, tu vois que tu mens. C'est pas vrai. En 2017, il y a une journée, il a fait beau. Même quand il neige, il pleut en même temps. Ça, c'est vrai, par contre. Là, je suis bien. Là, je suis bien. Là, vous y croyez. Putain, mais c'est collé-collé ou... Oh là là, mais merde. Oh, je pige rien. Oh, je pige rien, je suis débile. J'avoue, même quand il neige, il pleut en même temps. C'est un scandale, monsieur Alkabash. Collé, collé. Tu dois être en train d'embrasser la tête. Oh, d'accord, ok. Des fois, il fait beau. Non, mais voilà. C'est exactement ce que je disais. Il y a 3 ans, il a fait beau. Je me rappelle. On est tous sortis, on a fait la fête. Puis on a attendu qu'il pleuve. Ah mais faut la comprendre, la pauvre Season, elle vient du sud. Elle vient du sud. Et donc voilà, forcément que ça la change, hein. C'est un peu plus humide quoi. Elle a le... Season, c'est quand même le genre à penser qu'elle peut conserver du riz à l'extérieur, en Normandie quoi. J'avoue, on a eu un peu de soleil à travers les nuages tout à l'heure pendant 20 minutes. Ce matin il a fait beau. Ce matin il a fait beau, j'ai été obligé de fermer les rideaux parce que ça m'aveuglait sur l'ordi. C'est comme en Bretagne, il fait beau plusieurs fois par jour, exactement. Regardez, je colle. Là, je colle. Oui! Ah! Ah! Oui! Elle est où l'étoile? Combien? Combien? 50 minutes là-dessus, non? Combien 50? Elle va vomir jusqu'au dernier grain de riz, plus jamais. Ah mais non, mais... Il est trop humide ici, voyons. C'est le GG. Mais merde. Mais j'ai mis tellement de temps. J'ai mis tellement de temps. Peggy 18. Si, j'ai réussi. Regardez. Je suis fier. Associer la Normandie au riz pourri, c'est tout. Ah. Alors. Ça, c'est fait. Ah, je peux retourner à la baie des pirates. T'as fini Forteresse Womp? Je ne crois pas. Allez où? Si, Forteresse Womp, c'est bon. Là, je vais à la... Le seul truc que j'aime ici, c'est Uber, Eat, Deliveroo et Just Eat. Je peux plus m'en passer. Ah, alors, quels sont tes restos préférés, du coup, à Caen? Dis-nous. Dis-nous tout. C'est quoi tes petits préférés? Non mais tu peux pas dire ça. McDo, Burger King, ah non, c'est une blague. Non, pas McDo et Burger King, il y a tellement de bons restos à Caen quoi. Ouais, c'est mes omelettes avec du tabasco. Ah mais ça c'est des trucs que tu fais toi-même ça. Attends, je fais une liste. Trop bien. Aïe. Oh, je suis nul. Hein. Non mais prends... Oh là là, mais... Quel débile. Et la caméra aux fraises, là. J'en peux plus, la caméra. J'en peux plus de la caméra.
Allez, mais prends. C'est pas... C'est ouf. C'est ouf. C'est ouf. Mais l'Asiat à côté de la gare, bof. C'est quoi le nom? Chou. J'ai des méga burgers à faire goûter. À te faire goûter, Tonyob. Comment ça? Comment ça? Ouais, depuis le confinement, ouais, effectivement. Ouais. Elle est à Caen. La fleur Mario. What? Saison 1 ou saison 2, c'est vrai qu'il y a plusieurs saisons de cette série. On s'en passerait. Hein. Ouais, c'est génial. Non, mais en vrai, je dirais un resto près de chez moi appelé Eat and Play. Il y a une arcade gratuite. Et beaucoup de bouffes différentes. Alors, est-ce que c'est bon aussi hein? Parce que des fois, souvent, quand ils sont diversifiés, c'est pas ouf, quoi. Il n'y a rien qui est ouf. Je sais pas, on paye déjà assez. C'est éclaté. En parlant d'Uber Eats et McDo, j'ai le droit à mes frites et burgers remplis et trempés d'ice tea au fond de mon sac ce midi. Ah, ouais, pas eu son pourboire supplémentaire. Ah ouais, t'es comme ça, toi. C'est comme ça, quand on te sert mal, tu donnes pas de pourboire. Bah super. Forcément depuis novembre, je comprends la déprime, ouais, effectivement. Da 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 da. Allez Mario, fais pas le con. Allez. C'est bon. C'est bon, je l'ai. Quoi? Mais pourquoi ça marche pas, ça? Pas ce niveau de l'enfer avec le l'anguille géante. Bah si, justement. Parce que c'est pour éviter de glitch le geyser et de prendre l'étoile. C'est ce que je voulais faire, moi. Dans la grotte, il y a une casquette métallique. Sinon, j'en ai une ici. Hein. Et voilà. Et voilà. Tu vas pas atteindre. Eh bah tu vois, je t'ai donné tort. Je t'ai donné tort, j'ai réussi. Yes. Du coup. Perso, je la prends sans casquette. Bah perso, j'ai essayé très longtemps et j'ai pas réussi. Sinon, j'aime bien. Séverine, tu notes? Noodle bar. Et Mian Mian. C'est grave ok. Mama Poke et Waikiki Poke, j'aime bien aussi. Fleur de sushi, l'atelier du burger. Ah, moi j'ai peur, il y a Sef qui m'en parle de l'atelier du burger. Désolé, on parle des restos à Caen. L'atelier du burger, il y a Sef qui m'en parle en bien. C'est celui-là, hein, Sef, il me semble que dont t'as parlé. Mais j'ai peur que le burger ait froid en fait. C'est parce que souvent les burgers. On dit poké. Ah oui, c'est vrai, c'est. Oui, c'est vrai, c'est les Pokémon, j'avais oublié. J'aime bien la chose aussi. Ils font des faritas trop bonnes avec leur guacamole. Voilà. Non, il était vraiment pas froid. Ok, bon bah peut-être à l'atelier du burger prochainement du coup. Et nous, on te... Ah vas-y Sev, donne ceux que tu conseilles. Histoire que Season mange un peu plus varié. Normalement, il arrive chaud. Ah, Leandro, t'es suisse. D'accord, ok. J'habite en Suisse. Donc, les trucs sont bien différents. Elle bouffe que asiatique. Ah bah, si elle veut bouffer asiatique, ça s'est su aussi. Ça s'est su, on a été déçus une fois avec Sev sur leur boboon. Mais ils font de très bons boboon. Et là, la dernière fois, c'était quand même vachement mieux. Hein. Sauf qu'en livrant, mais une heure arrivée. Oui, c'est bon. Moi au Maroc, c'est même pas le même... Ah, c'est pas le même continent. C'est encore plus différent. Si, c'était au Maroc.
Et qui largue la commande au pied d'un autre immeuble. Oui, effectivement. Effectivement, bon, des fois... Ok. Putain, mais prends le truc. Merci. Mais comment je le déglingue, je sais plus. Ah zut, je vais mourir. Regardez, je vais mourir. Moi, au Timor oriental, c'est vachement différent aussi. Qui est un weeb ici? Oh là. Il y avait aussi le sorrel que j'ai commandé aussi pour une pizza. Il était pas mal dans mes souvenirs. Bref, voilà, j'aime trop manger du riz. Je m'en rends compte. Attention, mais pas du riz conservé à l'extérieur. Du riz au frigo, hein. Appelle-toi, voyons, il sort tout seul. Et la porte du Punjab. Ouais, ouais, on a bouffé... on a pris porte du Punjab la dernière fois. C'est, ouais, c'est ça hein, qu'on a pris. Et ouais, non, franchement, c'était ouf, quoi. Chou, c'était différent. La sortie du trou, c'était plus étroit. Mais pourquoi j'ai lu ça? Pourquoi j'ai lu ça? Pourquoi j'ai lu ça, moi? Arrêtez tout. J'ai lu ça, mais j'aurais pas dû. Hein. J'aurais pas dû lire. Oh là là. Donc on disait la porte du Punjab. Ouais, non, c'est très bien. Franchement, vas-y, go. Il faut vraiment qu'on finisse par bouffer ensemble, Season, quand même, qu'on se voit. Ça serait quand même super cool. On arrive à se croiser pour de vrai. Dans la vraie vie véritable. Ah, il y a l'étoile derrière. Que j'ai loupé. Que j'ai loupé comme un gros sac. Non, vite, vite, monte. Mario, déconne pas. Non, déconne pas, Mario. Oh non, mais déconne pas, déconne pas. Allô, vas-y. Non, non, mais arrête. Merci. Mince, c'était trompé, c'était en MP, ça a mis cage. Oh là là. Quelqu'un a fait un clip? Ah non, 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 non. Déconnez pas, je veux pas me retrouver. Je veux pas être ban, hein. Ah bon, faut que j'y retourne. J'avoue. Non, bah, c'est clair que c'est compliqué de se voir en ce moment avec. Aller bouffer ensemble. Un soir, par exemple, avant 18h. C'est compliqué. C'est un peu con, hein. C'est un peu. Ça serait un peu con. Mais quand ça sera un peu moins... C'est ça, ouais, non mais c'est ça. On peut prendre un goûter. On peut aller prendre un goûter, voyons. Oh, regardez, c'est super, on voit à travers le mur. Mais prends le... Oh là là. Oh, on va vomir. Non seulement on va vomir, mais en plus je vais pas y arriver. C'est bon, j'ai réussi. Hein? Bah elle est partie où? Tony Hop, t'es une personne convaincante, point d'interrogation. Bah je sais pas, faut demander... Faut vous demander à vous, est-ce que je vous ai convaincu par exemple de rester sur la chaîne? A priori oui. Bon. Déjà c'est plutôt bon signe. Barre-toi, toi. Ça wall hack, non mais 100% quoi. Les distances sont infâmes après. Non mais c'est le pire. Il y a un niveau. C'est un niveau de Bowser. Non, attends. Est-ce que c'est pas. Non, c'est un niveau de Bowser. C'est le niveau où il y a le volcan là dans le milieu et on rentre dans le volcan. J'ai passé, je sais pas. J'ai passé 20 minutes sur les poteaux où il faut sauter. Il y a 3 poteaux, il faut sauter de l'un à l'autre. Je crois que j'ai passé 20 minutes.
si c'était pas convaincant, moi j'y vais. Allez, ciao hein. Non mais ouais. C'est, il est 23h déjà là. 22h37. Mais salut 6 et à la prochaine et merci d'avoir été là, merci d'être passé. Ça fait super plaisir, on a bien discuté et tout, t'as l'air cool. Ça fait plaisir d'avoir du monde comme ça. Les autres je vous aime aussi hein, évidemment, mais 6 c'est un nouveau donc ça fait plaisir. Convaincant, je sais pas, mais forceur oui. Quoique ce soir ça va. C'est vrai que vous n'avez pas. Personne n'a sub ce soir. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi personne a sub? Putain. Allez piquer des cartes bleues là et subé à la chaîne. Oh. Tu pourrais me convaincre que c'est une bonne idée d'aller au lycée. C'est toujours une bonne idée d'aller au lycée. Je t'avoue que c'est un peu devenu de la merde. Quoique, non, t'es en Suisse, ouais, c'est vachement bien en Suisse, non? Ouais, t'inquiète, pas besoin de nous acheter. J'ai plus d'argent. Merde. Il m'a jamais dit ça, je suis pas convaincu. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que on vit malheureusement. Non mais c'est super chiant. Bah oui, non, mais je suis d'accord que c'est super chiant. Mais attendez. Mais oui, ça. Il y a certains trucs qui. Il y a certains trucs qui te sont appris quand même. Voilà, essayer de réfléchir par toi-même, c'est pas mal. Que globalement on vit dans une société où on demande des diplômes pour pouvoir bosser, pouvoir avoir un job à peu près correct. Donc même si tu peux être aussi compétent sans diplôme, malheureusement on va te demander des diplômes. Et trois pour pécho quoi. Tu rencontres tellement de monde au lycée, tu ne devrais avoir que l'embarras du choix pour pécho. Donc rien que pour ça, pour avoir une vie amoureuse, aller au lycée c'est cool. Comme ça, t'as un travail à 3000 balles, hein, parce que tu vis en Suisse, rien qu'en sortant de chez toi. Hein? Même trop easy, parce que tu vis en Suisse, hein, rien qu'en sortant de chez toi. Pécho en étant masqué. Non, mon bac est d'accord avec toi. Mon non-bac est d'accord avec toi. Ah ouais, non, mais clairement, c'est pas... Moi, j'ai bossé avec un mec, donc je suis dans l'informatique, hein, j'ai un master. Je me suis fait chier avant le bac, je me suis fait chier après le bac. Mais j'ai quand même eu mon master parce que voilà, l'informatique c'est vraiment un truc où on demande des diplômes quoi. Mais j'ai bossé avec un mec, pas le bac, et plus compétent que moi quoi. Donc parce qu'il aimait ce qu'il faisait et qu'il s'était toujours formé. Donc oui, non, je suis l'un des partisans de les diplômes font pas l'un et tous les glandus qui sortent. Alors désolé s'il y en a sur le chat. Mais tous les glandus qui sortent d'école de commerce et qui savent rien faire, bon, il y a un peu de tout, hein, il y a un peu de tout, il y a tout partout, en fait. Donc il y a des gens qui sortent d'école de commerce super... ok, je me tire. Désolé. Désolé, Mikaj, je t'aime quand même, hein. Non, mais il y a tout, en fait. Moi, j'ai des camarades qui sont sortis, en fait, du master informatique et qui s'en foutaient et qui faisaient ça juste parce que ça payait et qui était franchement pas bon et j'ai connu des mecs sans diplôme qui étaient excellents en informatique et enfin donc voilà en fait je pense pas que les diplômes fassent les compétences clairement pas quoi mais malheureusement on vit dans une société où on va pas regarder tes compétences on va regarder tes diplômes quoi de là où tu sors et puis on va te payer en fonction de ça quoi donc ça fait chier mais malheureusement c'est la réalité du terrain quoi. Voilà. Pécho au lycée, pire période. Oh là là. Bah moi aussi, hein, mais bon. J'ai quand même roulé 2-3 galoches au lycée. C'était quand même assez sympa. Séverine, moi, j'ai pas pécho au lycée. C'était nul. T'aurais tellement dû. Moi, j'ai le bac et je me fais chier à faire l'université en étant confiné depuis que je suis à Caen. Bah ouais. Malheureusement. Ouais, mais plus de titres tu as, plus tu vaux, plus tu coûtes, moins les gens veulent dépenser sur toi. Personne dépense sur toi, hein, t'as pas de travail, donc pas de maison, pas de vie. Non, c'est pas vrai en fait. C'est pas vrai. Ce truc du t'es tellement diplômé que personne ne veut de toi, c'est pas vrai quoi. On va te dire, bah t'as un master. En fait, on va te dire t'as un master, mais je vais te payer 1200 balles quand même. Et donc si t'as envie de le prendre, bah tu le prends quoi. Mais.
Après, ça dépend de là où tu te trouves. Mais il n'y aura pas de boîte qui te diront t'es trop diplômé, donc ils essaieront de tirer ton salaire vers le bas, c'est tout, quoi. Il n'y a pas de grille en fonction de ton diplôme, hein. Mis à part dans le public, mais les tarifs sont déjà vachement bas, donc, donc ça ne compte pas, quoi. Oh, il y a Mika, non, Mika, j'ai toujours là. En vrai, t'as raison, rien de nouveau sur le soleil. Tu vois que je ne parlais pas spécifiquement de toi. Voilà. J'ai pas de travail, pas de maison en soi, je suis encore en vie. Mais toi, toi, tu as des follow. T'as des follow et des subs, Season. Et plein d'amour, tu vois. C'est ça, tu es riche de l'amour qu'on te porte sur le stream. J'ai arrêté l'école à 14 ans et je suis parti pour réussir. Engage pas tout Season, s'il te plaît. Encore, tu rigoles, ma soeur a un master. Il lui manquait un an pour le doctorat. C'est plus handicap qu'autre chose. Par certains patrons, ne voulait pas l'engager car elle était plus diplômée que lui-même. Ah ça, par contre, voilà qu'il y en a qui soient super, super incertains de leur personne et qui ne veulent, veulent pas des personnes. Enfin, mais c'est de la vieille masculinité toxique, ça, en fait, tu vois. C'est les vieux mecs qui disent une nana plus intelligente que moi, ça me ferait chier. Donc là, c'est plus la personne qui est débile. C'est pas trop comme ça que ça marche, quoi. Ah, merci Chou. Ah, oh, Chou, tu es Chou. Merci pour ton prime. Merci pour l'alerte qui bug toujours. Ah, mais un jour, promis un jour, ça marchera. Non, c'est pas vrai, juste on ne paie pas ta valeur, exactement. Ok, tu m'as convaincu, vous avez la preuve que Tony Hobb est convaincant. Ah, eh, vous avez vu ça? Et sans forcer, hein. Sans forcer, juste en discutant. Mon côté, suite au master, orientation directe vers un métier qui m'intéressait davantage et que je m'amuse, ouais. J'ai fait un CAP, la BP, puis je ferai BM. Là, j'ai pas pigé, par contre, BP et BM, faut m'expliquer. Les opportunités sont présentes et je verrai au jour le jour. Hein. Merci beaucoup, Chou, vraiment, merci beaucoup. J'ai le prime de ma maman, finalement. Ah, trop bien, ça fera toujours... Ça fera toujours un sub en moins à Season. Toujours ça de gagner. Bisous Season, hein, on t'aime. Toujours pas réparé cette alerte. Ben non, j'ai pas le temps. Bac pro et brevet de maîtrise. Merci Mikage. Oh, j'ai fini Baie des Pirates. C'est drôle, tu as exactement 64 étoiles. Exact. Oh là, la main 64. J'ai eu un sub T2. Bisous Tony Hobb. Ah merde. Ah merde, un sub T2. T'as déjà eu un T3? Ah non, mais j'ai déjà eu lui. J'ai déjà eu? Oui, j'ai déjà eu. Oui, j'ai déjà pris. C'était déjà payé beaucoup plus tôt. L'an prochain. T'as plus de T2, crois-moi bien. Chaque mois, oui. Par Mikage, Grandif. Oh là 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 là. Les mecs. Par contre, Grandif, ça a pas duré, hein. Il a les réparations de la bagnole à payer, donc. Voilà. T'as beau faire des capas, profites-en. Hein. Je crois que je vais y aller. C'était très cool, merci à tous. Et ben merci Leandro. Merci à toi, en fait. C'était vraiment super cool et on a bien discuté avec toi. Donc n'hésite pas à revenir. Voilà, il y aura un peu de tout. Hein. Il n'y aura pas que du Mario. Là, en ce moment, je fais du Mario parce que je veux le finir. Mais il y aura pas que du Mario, clairement. Il y a beaucoup de Isaac aussi. Hein. J'ai envie de me faire Doom Eternal, le DLC. Là, et je pense que je vais le faire prochainement. Donc voilà, je fais un peu de tout, mais n'hésite pas à revenir, c'était vraiment cool de t'avoir avec nous. Vous m'avez fait la soirée, car de base, je suis ultra seul. Et bah c'est cool, bah n'hésite pas à revenir, vraiment, voilà, on est là pour ça, on discute. Le jeu vidéo n'est qu'une excuse pour discuter, finalement. Chou, j'étais T3 avant, quand j'étais au chômage. maintenant qu'il bosse, il en vaut plus des T3.
Season ouais, je lui ai dit faut qu'il stoppe. Bah ouais, non, faut qu'il achète les réparations. Putain. Ah, par contre, sa bagnole. Enfin là je souris, mais putain, ça fait chier pour lui, quoi. Franchement, il va arrêter de bosser, il va se retrouver au chôme dû et il a 1400 balles envoyées pour la bagnole, ça fait mal. Bye Landro, bisous bisous, merci beaucoup. T'inquiète, aujourd'hui de l'âme. Aujourd'hui t'es un lapin, demain t'es un civet sur la chaîne de Tony Hub. Oh là là, mais qu'est-ce qu'elle parle mal, elle, dis donc. T'es VIP chez moi, toi? Toi t'es VIP chez moi. Toi t'es VIP chez moi. Putain, faut que je change ça. Maintenant que je bosse plus et que j'ai plus de chômage, plus rien. Ah ouais, t'es sort sourd chou. Pour de vrai? En même temps, je vois pas pourquoi tu déconnerais là-dessus, quoi. Non, c'est une blague. Non, mais c'est pour déconner. Season, je peux dire bit et l'automode ne me modère pas. Non, j'ai viré l'automode, moi. Il est complètement désactivé sur mon stream. Chez moi, on peut dire bit, cul, couille, ça, c'est ok. C'est ok. Par contre, je peux vous ban aussi. Je peux vous ban si les mots que je vois me plaisent pas. Mais c'est ça, en fait. Il y a la liberté de parole, mais derrière, il y a le couperet. Donc c'est encore plus fourbe, en fait, parce que les connards qui vont te dire j'aime ton cul, est-ce que tu veux ma bite sur ton stream, tu les vois pas, tu vois, parce qu'ils sont bannis par l'auto, enfin ils se font défoncer par l'automode. Moi je vais le voir, et en plus derrière je vais bien mettre une belle carotte, quoi. Donc c'est encore plus fourbe ici. Après je vis chez mes parents. Bah oui, non mais bon, tu peux quand même avoir des envies et tout, donc évidemment oui, t'es pas dans la rue, un chou, mais peut avoir des envies d'autre chose, donc c'est un peu compliqué. Mais ouais, t'as plus rien du tout, d'accord. Allez, vas-y, Season, essaye de mettre des mots... essaye de mettre des mots sales. Histoire de voir ce que ça donne. Quoi, y en a qui disent ça? Oh, bah, sur mes streams à moi... non, ils le disent pas. Sur les streams de meufs... ouais, ça fait mal, quoi. Après, j'ai aucun diplôme, je sais pas ce que je veux faire, donc compliqué. Ornithorynque et coléoptère. effectivement, ouais. Diplodocus. Non, mais tous les mots, vous avez le droit. Vous avez le droit à tous les mots. Mais oui, non, je pense... bah, je sais pas, Season... je pense que ça t'arrive régulièrement, des glandus qui arrivent et puis qui t'expliquent ce qu'ils aimeraient bien de faire, et ils parlent pas clairement de jeux vidéo en coop, quoi. Cucurbitacé, oh là là, ça c'est coquin, ça. Ça arrive à un moment, ça arrivait souvent. Maintenant moins, je trouve. Donc voilà, malgré l'automode, il y a quand même des sales cons qui arrivent à faire chier avec de la merde, quoi. En vrai, c'est calme ces temps-ci. Ouais. Ah, mais tu vois, le fait que tu dises ces temps-ci, voilà, ça illustre mon propos. J'ai de la chance d'être un mec et de ne pas avoir ce genre de problème. J'ai de la chance d'être un mec et d'être moche. Donc j'ai pas ce problème. Non mais genre les pires que j'ai, c'est ceux qui essaient de faire des banworn avec leur pseudo. Et Yoran qui continue avec aubergine. Mais arrête avec tes noms de fruits et légumes là. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse, les fruits et légumes. Mais ouais, non, les banwords, enfin les pseudos avec des banwords dedans, je pense qu'ils se font vite, vite dégager par...
ils se font vite dégager par par Twitch. Hein. Au moins j'espère. Clairement j'espère. Non. Désolé. Épinard, c'est sale. Par mon alerte. Alerte au gogol. Ah oui, d'accord. Ah d'accord. Le alerte au gogol, ça vient de là. Enfin, je sais d'où ça vient, le sample que t'as fait de alerte au gogol. Mais ok, c'est fait pour ça, en fait. C'est fort, la musique, là, merci. Et du coup, Season, tu joues à quoi ce soir? Parce que en fait, t'es arrivé, j'ai même pas demandé à quoi tu jouais ce soir. Dès que je lance, c'est pour alerter les modos qu'il y a un gogol. D'accord, ok. Comme ça, ouais, s'ils sont pas en train de regarder, au moins ils ont l'alerte sonore comme quoi il y a un gogol qui est là. C'est vachement bien pensé. Hein. Hades, et j'ai fait Little Nightmare 1, j'ai fini. Ah, cool! Hades, faut vraiment que je m'y mette. Là, en fait, je pense que je... Kaki, c'est en même temps sale et tasty. Et qu'est-ce que je disais-je? Je ne sais plus. Oui, Hades, je pense que là, je finis ma deuxième save Isaac. Et que quand j'aurai fini ma deuxième save Isaac en attendant repentance, je vais sûrement me faire du Hades, en fait. Histoire de copier sur ma streameuse préférée. Si bien Hades est si frustrant. Bah en même temps tu vois je jouais Isaac hein, donc les jeux bien mais frustrants je les connais quoi. Surtout le 100% de Isaac là il est tellement chiant. Tellement chiant. Genre tu vas faire une pause de Isaac. Et bah ouais en fait je pense. Je pensais faire du streaking sur Isaac en attendant à repentance. Mais je pense que je vais faire un peu de Hades. Je pense que vraiment que Isaac est 20 fois plus frustrant. On verra. C'est le seul jeu où j'ai l'impression d'avoir du ski alors qu'on sait tous que c'est pas vrai. Alors, oh, comment j'aime pas quand je t'entends dire ça en fait. Mais vraiment pas quoi. En quoi t'as pas de skill quoi? T'as vu les jeux que tu t'es tapé et tout? Enfin, t'as pas à dire que t'as pas de skill quoi. C'est tellement pas vrai quoi. Vraiment quoi. Elle parle tout le temps comme ça, elle est insupportable. Ah ouais, non mais Mais ouais, non mais jamais quoi. Jamais. Tu t'es tapé des jeux de chi et tout, enfin, mais c'est... Quand je te vois jouer, non, clairement, je vois pas une personne qui galère avec les jeux, quoi. Allez, viens là, petit bâtard. Attendez, je vais me faire défoncer. Voilà, c'était évident que j'allais me faire défoncer. Voilà, et de 1. Hop. Et de 2. Merci. Ah oui, non, mais qu'elle se débrouille bien sur Hades, mais j'en doute pas, hein. Clairement, j'en doutais pas. Y a que elle pour douter de ça. Hein. Quoi? Ils sont fous là? Mais c'est naze! Je dirais pas ce qu'il t'a défoncé. Mais en tout cas, il était derrière toi quand il t'a défoncé. Ah, bravo. Ah, bravo, hein. Ah, bravo, super. Bel esprit, hein.
Et pas que sur Hades. Ah ouais d'accord, je peux plus Ok, je peux plus rentrer. Ah merde, j'ai plus les petits jeunes experts de Mario sur le stream là. Comment je vais me démerder du coup? Comment je vais jouer maintenant? Comment je vais pouvoir jouer maintenant? Ils sont partis? Ils sont partis les petits jeunes? Ah mais tabasse-le! Oh là là, mais qu'il est con. Oh, il est un peu con ce Mario. Hein. Alors ça c'est ok. On va essayer de faire les 100 pièces, hein. Et c'est Vrin qui se moque. Fun fact, soit le chat est prémonitoire... Attends, le chat est prémonitoire... Ah, c'est le chat ou le chat? Le chat est prémonitoire, soit la vidéo a du retard, mais c'est comme avoir les sous-titres en avance. Hors contexte. Hein? J'ai pas pigé. J'ai pas pigé. Je dis ce qui... merde. Je dis les messages dans le chat avant que tu les vois, c'est ça, Yoran? Alors, ça arrive. Hein. Moi, ça me fait halluciner. C'est sur le stream de Season. On voit les messages du chat dans sa vidéo avant de les voir dans le chat. Moi, je trouve ça hallucinant. Je ne sais pas comment elle fait. Elle a des dons de prémonition. Et Chou qui s'en va. Et bah, bisous, Chou. Et bah, merci d'être passé. Hein. Bon, c'est Season qui t'a forcé à venir avec un raid, mais... Mais bon, ça fait plaisir que tu sois resté, quoi. Des bisous. Tiens, toi, dans ta tête. La petite teutée. T'es perdu sur tes petits coachs. Mais non, je suis en train de faire les 100 pièces là. Je dois régler pour que sur la vidéo vous voyez après. mais non, mais c'est. Tu les as avant quoi. Mais je pense que c'est parce que Streamlabs en fait te les affiche. Enfin, doit les choper avant. Un petit peu avant qu'ils soient affichés dans le. Vraiment dans le chat de notre côté quoi. C'est possible que ça fonctionne comme ça. J'imagine. Hop. Est-ce qu'il y aurait-il pas encore des pièces dans le coin? Le souci, moi... Je vois les messages 5 secondes avant vous en général. Il y a un petit délai comme ça, les modos peuvent modder... Ah, ah, c'est pas con ça. En même temps, moi j'ai tellement pas besoin de modérer. Voilà, tout le monde est super sympa avec moi. Tout le monde a lu les règles évidemment. Tout le monde lit les règles du chat avant d'écrire dans mon chat. Donc non, honnêtement ça se passe bien. En même temps, j'ai pas tes audiences, voilà, tu as un petit peu plus de monde que moi, donc bon. Ça joue aussi. Moi les gens que j'ai dans le chat, c'est les copains. Mis à part ce soir, là j'étais trop content en fait que les deux viennent en fait et c'était très cool hein. C'était des petits jeunes hein. Ils avaient 14 et 15 ans tous les deux et finalement vraiment très, enfin, très très sympa quoi, donc ça fait plaisir de nos jours de voir des petits jeunes qui sont sympas hein. C'est rare hein, parce que sinon je touche des fumeurs de pétards là. Moi je suis en follow only. Ils arrivent quand même à follow pour dire des conneries. Ah oui, non mais ça, le follow only, je pense pas que ça change grand chose en fait. S'ils ont envie de dire une connerie, je crois que Dame, elle est en follow plus une heure ou un truc dans le genre, toi histoire que ça les, qu'ils aient le temps de réfléchir à la connerie qu'ils vont dire et à la saloperie qu'ils vont dire avant de se faire ban. Ça c'est assez ouf quand même. Hein. Y a un truc là-haut.
Donc ici je peux passer à travers mais ça me sert à rien. Beaucoup de gros streamers sont mini en follow 10 minutes voire une heure, ouais voilà ça. Sinon les modos en finissent pas. Ouais, et puis des meufs comme Dame-Dame, on sait comment sont les gens. On sait comment... Et c'est pas les gens en fait, on sait comment, comment sont internet. Et bordel quoi. Si elle avait pas ça, j'imagine pas les vagues de merde qu'elle se prendrait quoi. Donc, Allô ? Parce que là je peux rien voir. Et je sais pas du coup. Ah, R comme Rabia. Je vous laisse. Ah, tu nous laisses sur un R comme Rabia. Merci Séverine. R comme Rabia. Pendant une période, elle a même dû désactiver l'alerte des follow parce que les gens l'insultaient à travers leur pseudo. Oh là là, mais... Mais faut vraiment rien avoir dans la tête pour faire ça, quoi. Les petits débiles, quoi. Faut rien avoir dans la tête, faut rien avoir à foutre de sa vie, quoi. Faut faire chier comme ça, quoi. Alors, des pièces bleues. Aïe. Vite les pièces bleues. Aïe, zut. Qu'est-ce que vous disiez ? Fais des bisous, encore plus au canard. Des bisous Séverine ! A plus tard ! Allez, je suis Séverine, bonne nuit tout le monde. Et bah bisous Yoran ! Merci beaucoup d'être passé ! Est-ce qu'il n'y a pas un bout qui est différent des autres ? Non, 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 non. Bah évidemment que ça allait me cramer le cul, ça. Comment on fait? Je sais pas où elle est, là. Je sais pas où elle est, l'étoile. Qui peut aller tricher sur Internet? Coucou, certificateur. Merci beaucoup. De toute façon, moi, en fonction de l'heure, je vais peut-être pas tarder. 3h05. Ça fait combien de temps? Ça fait 2h20. On va peut-être encore faire 2-3 étoiles. Tu cherches quelle étoile? C'est l'étoile balcon de Big Bou. Balcon de Big Bou. Ah, je suis à 95 pièces. Je suis pas loin là. J'ai 95 pièces, c'est bien ça. Mais il m'en manque 5 quoi. Non, ça j'ai déjà eu. Va falloir attendre le tour du manoir. Retourner tout d'abord dans la salle où se trouvait la dernière pièce rouge. Voir l'étoile numéro 4 du 1 et créer une impulsion pour rebondir sur le mur face à la bibliothèque et arriver en hauteur. Ouvrez ensuite la porte au fond, une fois au grenier.
Sortez par la porte de droite et combattez le Big Boo une fois dehors. Ah. Ah. Alors, attendez. C'est pas ici. Non, c'est pas ici. C'est ouf. C'est pas là non plus. Alors, est-ce que c'est là ou est-ce que c'est pas là? Non, c'est pas là non plus. Non, c'est pas là non plus. Je vais y arriver. Hein. À un moment, je vais trouver. Promis, je vais trouver. Ah ouais d'accord, ok c'est bon. C'est bon, c'est vu. Voilà. Hop, déjà. Je l'avais déjà vu l'étoile de 100 pièces? Non. C'est quoi comme étoile ça? J'ai peur de la... Oh, remarque, on peut revenir ici facilement en fait. Ah voilà, c'est l'étoile des 100 pièces, ouais. Ok, donc ça c'est bon. Hop, hop. Merde. Zut. Ah! Ah, oh, ça va être chiant. Ah, ça va être chiant. Ça va être chiantissimo, hein. Préparez-vous, hein. Aïe. Aïe. Oh, les wall jump. Les wall jump dans celui-là, ils sont tellement chiants. Tellement chiant. Mais on va y arriver. Fais un. La caméra vous aidera pas. Oui, non, mais la caméra, de toute façon, elle bête pas dans tout le jeu. Hein. Depuis le début, c'est de la merde. Hein. Non! Dommage, dommage. Mamma mia. Dommage. Ouais bah c'est bon, maintenant on sait où c'est. Ça va aller plus vite. Allez. Mais on va y arriver. T'as vu la caméra? Vous avez vu la caméra comment elle est bien? Voilà, super, merci. Tu l'avais fait toi ou pas Season d'ailleurs 1.64? Parce que je sais que t'as fait T'as fait Sunshine, mais 64 tu l'as fait pas. Sur la DS, ok d'accord. Mais tu l'as noué donc pas en stream quoi. Super. Ok. Et Galaxy? Merde. Je veux faire Galaxy, ok d'accord. T'as jamais fait les Galaxy? Du tout? C'est mes préférés. Hein. Clairement Galaxy 1 et 2, mes Mario préférés. Hein. Le jour où ils sortent un Galaxy 3, moi je suis saucé. Hein.
sont vraiment super bien. Si j'ai fait le 1, mais j'en souviens pas. Le 2, je l'ai pas. Ah! Et ah, alors je sais, ouais, t'as pas dû voir, mais hier on a essayé de faire We Were Here Too avec Avorpal. Et ça a été une catastrophe, le jeu plante. Voilà, donc c'est vraiment de la merde. Et du coup, on a essayé de faire le Together. Et chez moi, ça ramait, c'était une catastrophe. Donc je sais pas comment ils ont programmé les jeux, mais vraiment de la merde. Mauvaise expérience, hein. Aïe! Moi, ça m'a saoulé. Du coup, on a joué 30 minutes. Ah, mais comment je vais là-haut, moi, après? Comment je vais là-haut? Ah, peut-être là. Ouvrez la dernière porte tout à droite et contournez la bibliothèque. La pièce se trouve au-dessus d'une trappe, vous jetant droit dans l'eau de la cave. Prudence. Tu parles de... Alors c'est celle-là dont tu parles ? Non, c'était pour la quatrième, non? Ouais, non, c'était pour la quatrième, c'était pour la pièce, les pièces rouges. Je vais regarder, qu'est-ce qu'elle disait au-dessus? Une fois au grenier, c'était par la porte de droite et combattait le Big Boo une fois dehors. Ah merde! Merde, c'est bien, il m'a filé la... Je suis ravi, hein, il m'a filé l'étoile, mais j'ai pas pu la garder, quoi. Ça fait un peu chier. Ou alors c'est dans le... Ou alors c'est d'arriver au centre, je ne sais pas. Qui a fait du bruit comme ça? Ah non, d'accord, c'est les gros livres. On a quoi ici? Oh mais on voit rien, c'est chiant ce jeu. Ouais, c'est quoi là? Une salle secrète, ça? Je crois que j'ai trouvé une salle secrète. Je sais pas comment avoir. Je sais pas où elle est passée. Y a pas une porte au fond? Non. Ah, la porte qui est là, oui, mais c'est la porte d'où je viens en fait. Ah, une porte au fond de l'endroit secret que je viens de trouver là? Bah non. Merde. Balcon de Big Boo. Désolé, hein, je triche. Hein. Balcon de... je vais essayer de trouver une vidéo.
Ah, qui? Qui? Coucou Anthony, merci pour le follow. Merci pour le follow. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Oui. Oh non, mais quel gros dégueulasse. Ah, le mec qui fait la vidéo joue à Mario 64, mais étiré en 16/9. C'est dégueulasse. Hein. Comment on fait après? Il saute là, il saute là. Après, il va où? Il ressort. Non. Ah, c'est dégueulasse. Oh, mais le pire jeu. Ah, tu peux pas fumer l'œil. Non, non, a priori, je ne peux pas. Mais par contre, j'ai trouvé quoi faire. Et c'est crado. Donc vous voyez, hop, l'étoile, elle est partie sur le toit. Et donc faut aller sur le toit. Voilà. Voilà. C'est dégueulasse, hein. Vous avez vu? Vous avez vu comment c'est crado? Faut y arriver, en fait. faut pas aller trop loin. Faut pas aller trop loin. C'est merveilleux. C'est Mario 64. On déteste ce jeu. Tous. Hein, j'ai pas vu. Alors ouais, non, mais c'était pas... Moi, j'ai vu sur la vidéo, en fait, là, mais... c'était pas écrit, hein. J'ai regardé une vidéo. Hein. Alors, est-ce qu'on va y arriver? La première fois, nous n'avons pas réussi. Est-ce que la deuxième fois... Heureusement, la caméra nous aide. Hein. Et hop, c'est dégueulasse. Eh, vas-y. Vas-y, Mario. Non, non, mais tu peux le faire. Oh là là, il peut pas. Il est nul, il est nul. Il est complètement nul, ce Mario. Eh ben, on y retourne. C'est bien, ça va prendre 30 minutes à faire, mais on va y arriver au bout de 30 minutes. Du coup, on va arrêter là-dessus. Hein. Je pense que... Ah, mais... Regardez cette caméra. Regardez-moi cette caméra. Cette caméra nulle à chier. Si un jour vous voulez faire un jeu vidéo, vous pouvez vous inspirer de Mario 64 pour comment ne pas faire votre caméra. Alors... Chaque fois il se prend ça. Là, il est trop court. Là, il se prend ça. Là, trop court. Là, trop en diagonale. Bon. Non. J'ai pas réussi à faire le long jump. Non mais, non, arrête. 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 Arrête d'être con. Arrête d'être con, Mario. Putain de merde. Saute après, pas trop tôt. Ouais, non, après faut re-sauter, mais En fait, le problème, c'est que Mario se met déjà à glisser, en fait. C'est Mario glisse. Ils avaient pensé pas l'appeler Mario 64 ce jeu, je sais pas si vous saviez. Mais de l'appeler Mario fait de la... Mario fait du patin à glace. Ah, regardez, je suis là. Trop bien, j'ai réussi. Non. Oh non. Non, mais quel con. J'avais réussi à faire ça, j'ai loupé mon long jump. Dommage. Dommage, on y croyait. Hein. On était pas loin. Ouais, j'avais réussi, j'avais quasiment réussi, hein. J'y étais presque. Ah, mais regardez ce jeu de merde. Mais qui veut s'infliger ça? Moi. Ah, d'accord. Au début, saute à la fin. Au début, saute à la fin. Ah, alors cette phrase ne veut rien dire, mais mais on va essayer. Aïe.
Allez, on y retourne. Cette fois-ci, c'est la bonne. On y croit. Regardez ça. Regardez ça. T'as vu ça? Bon, on est arrivé là. C'est déjà pas mal. Maintenant, long jump. Non. Ah non. Non. Oh merde. Merde. Oh la blague. Oh, et le Mikage, je le connais. Le Mikage, il est déjà sur le truc des clips. Je suis persuadé qu'il est déjà sur les trucs des clips. Non, c'est Season. Ah, c'est Season qui l'a fait. Ah merde. Hop là. On est bon. Ah, vous y croyez ou pas? Est-ce que vous y croyez? Et là je saute à côté. Ah, elle a clippé avant moi, j'étais dessus. Les salauds. Ah, je vous aime quand même. Hop, et donc normalement ça je l'ai fini. Ah non, manoir de Big Boo, il en reste une. Qu'est-ce que ça va être? Aïe. T'inquiète, j'ai le deuxième aussi. Non mais merde. Un œil sur les salles secrètes. Ah bah c'est sûrement celui que j'ai trouvé ça. Il y était ou pas? Les salauds. Qu'est-ce que t'as essayé de partager, Mikage, là, pour te faire... T'as essayé de partager un lien, toi. Aïe. Et merde! Arrête ma... Ah, il se fait mal au cul en plus, ce con. Merci. Je reconnais, c'est un lien loop. Un lien YouPorn. En même temps, qu'est-ce que Mika, je peux mettre d'autre qu'un lien YouPorn, hein? Ah, mais faut que j'arrête. Ah, oui, non, d'accord. Il fonctionne pas. J'autorise pas les liens en fait. Mais c'est un lien d'un clip. Season qui me fait pas assez pour Isnefnobiofuse. Je ne sais pas qui c'est. Oh non! Tout à l'heure c'était passé quand j'ai fait ça. On peut même pas faire ça à travers la grille, c'est trop nul. Aïe. Allez, tu peux le faire, Mario. Un clip du gros fail. Bah c'est bizarre parce que normalement les clips ça passe tout le temps en fait. On peut interdire tous les liens. Mais les clips c'est censé passer. Donc c'est bizarre que ça passe pas. Sinon on voit le à Season et puis elle peut le mettre. Allez, en tant que VIP, c'est sûr ça passera. Je vais y aller, et bah des bisous Mikage, et merci d'être venu, merci d'être passé, merci d'avoir discuté. C'est toujours cool de vous avoir sur le stream. On rigole bien quand vous êtes là. Moi, j'aime bien. Voilà. Après, c'est possible que j'ai coupé la fenêtre trop tôt. Je verrai ça dans mes clips. Merde. Ah, mais barre-toi, toi. Oh mais non, je vais le foirer, j'ai mis trop de temps. Ouais, non, foiré. Hop, je peux y retourner. Fail monumental. Ah là 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 là.
Ah, ça aime bien clipper quand je me plante, hein. Ce qui arrive assez régulièrement. Il faut l'avouer. Il faut l'avouer, ça arrive régulièrement. Aïe, merde. Oh, mais non, arrête, Mario. Putain, mais j'y arrivais à chaque fois tout à l'heure, et là, j'y arrive plus, ça m'énerve. Ça m'énerve. D'ailleurs, j'ai réussi du premier coup hein, à y aller, là, voir le gros œil, là. Et là, j'y arrive plus. Merde. Putain, mais Mario, fais pas le con. Oh là là. Allez, on y retourne. Je vais y arriver. Tout à l'heure, j'y arrivais à chaque fois, et là, j'y arrive plus. Et regardez cette caméra de merde, là. Aïe. Allez, vas-y, go, let's go. Let's go. Ah, voilà. Aïe, comment on fait? Comment on fait? Comment on peut les tabasser eux? On peut pas? Non, on peut pas les tabasser eux. Mais non, mais là on peut, je peux lui passer à travers, mais. Ah, faut le faire tourner, d'accord, ok. Ok, faut lui filer le tournis, d'accord. Ok, j'ai compris. Et on l'a eu. Merveilleux. Oui. Et bah du coup, encore un niveau de terminé. Et 66 étoiles, on est à plus de la moitié. Allez toi. Cache-toi. Cache-toi là. Hop là. Tac. Sublime. Merveilleux. Bisous YouTube, hein. Ça m'a fait plaisir que vous soyez là, on a bien rigolé.